Salut les amis, regarde bien, on se retrouve pour une petite vidéo de découverte. Donc sur le jeu Brawl Stars. Donc c'est un petit jeu plutôt sympa. Un petit jeu de bagarre, hein, tu vas voir. Donc voilà, on a nos crawlers, hein, nos bagarreurs. Donc ça c'est celui du début, là, la espèce de petite meuf là, avec les cheveux violets. Ensuite tout ça, c'est ce qu'on gagne par la suite. D'accord. Donc on gagne des personnages, on les monte en level, en pouvoir, en expérience. Tout ça quoi. On a plusieurs petits modes de jeu. On a le Razzia Gem, on a le Brawl Ball et on a le survivant pour l'instant. Il y en a d'autres, tu as vu, à débloquer des événements spéciaux et tout et tout. Hein. Donc pour faire simple, pour faire vite, la Razzia Gem, eh ben, il faut plus de gemmes. Il faut qu'une équipe, c'est du 3v3 bien sûr, il faut qu'une équipe elle ait 10 gemmes. Ensuite on a un décompte et on gagne. Pour le soccer, enfin pour le foot là, je sais plus le nom, il faut marquer des buts. Donc là tu vois en même temps je te fais défiler, hein, mais voilà, ça marche avec la progression de trophées, du pass payant et ainsi de suite. Quoi. Et donc pour le survivant, c'est 10 personnes, c'est un BR quoi, tout simplement. Hein. Mais en vue du dessus, en très simplifié. Donc voilà, Razzia Gem, 3 contre 3. On bouge le perso avec le joystick. On se plante dans les hauteurs, comme ça les ennemis ne peuvent pas nous voir. On tire et on a un bouton de tir spécial. On peut voir tout la barre de mon personnage, c'est la barre de vie. Et les trois autres barres. Ah, c'est les munitions quoi. Donc faut le temps que ça recharge. Voilà, donc on peut voir aussi les coéquipiers. Ils ont déjà récupéré des gemmes. Et moi, non, pas. Voilà, un petit bouton spécial. Donc ça, c'est la rafale de balles. Voilà, bon, quand tu te fais tuer, bah, tu respawns, impeccable, et tu retournes à la tour. Bien sûr, quand tu te fais tuer, tu perds les gemmes que tu as en ta possession. Ah, tu te fais percuter par le train là. Hop, encore mort. Respawn et c'est reparti. Là il y en a un compte à rebours pour l'équipe rouge. Recompte à rebours pour l'équipe rouge. On presse gemme double 0. Donc faut qu'on les tue, faut leur pique leur gemme. Sinon on va se faire avoir. Et on s'est fait avoir. Donc c'est des parties qui sont très rapides. Les parties durent 3 minutes, je crois, quelque chose comme ça. Et pour le survivant, les parties sont encore plus courtes. Et pour le foot, pareil, hein, le brawl ball, voilà. On va faire une petite partie, pareil, en survivant. Donc là, on est tous les uns contre les autres. On est 10. La zone se rétrécit avec une zone de gaz, hein, comme PUBG, comme Call of, hein, bien sûr. Donc on peut se planquer dans la haute herbe. On peut récupérer de la santé ici et là, ou en tuant des autres brawlers. Voilà, bien fait aller dans une zone toxique qu'il a mis là. Hop,
récupère un peu de santé. Ah, même pas, non, même pas, je dis des conneries là. J'étais en train de regarder un peu, hein. Ça tue, ça tue, une souris. Tu vois, bon, c'est bien fait. On va en relancer une. Donc on gagne des points pour la progression. Et donc grâce à la progression du trophée, bah, on gagne. Alors tu vois là, la petite boîte là. La petite boîte, elle a une jauge de santé, enfin, une jauge de vie. Quand tu l'as cassée, tu récupères ce qu'il y a dedans. Donc de la santé. Ça va monter mon ma santé quoi. Watch it. Ah, une balle, encore mort. J'en mets une cinquième sur 10. Donc je gagne un seul trophée. Watch out. Donc c'est vraiment rapide comme partie, t'as vu, pour se défouler et tout. C'est pas compliqué du tout à jouer. Ça peut être tactique parfois, mais ouais. En fait, tu bourrines et tu vas te planter comme c'est trop chaud pour tes fesses. Ah, voilà, tu vois, là, c'est chaud. Hop, un petit peu dans les hautes herbes pour se planter, reprendre de la santé. Et lui, il va m'avoir. Ah non. Donc on est plus de 3 sur 10. Ça sent mauvais. Malheureusement, il a vu que j'étais dans les hautes herbes. Bon, tu vois le gaz vert là, il rétrécit la zone. Donc voilà, là par contre on coupe 7 trophées en arrivant 3ème, c'est déjà mieux. Voilà, on va aller voir le Brawl Ball. Donc ça, moi j'aime pas le foot, alors dans un jeu, j'aime pas le foot. Là, en face de l'autre, il faut aller mettre le ballon dedans. Voilà, hop, on gagne du trophée, on gagne des points pour le pass de combat, enfin, le pass de jeu, je sais pas comment on appelle ça. Donc j'ai pas pris moi le pass payant, hein. Je suis sur le pass gratuit. Pas beaucoup, c'était vraiment pour découvrir le jeu. C'est reparti, là hop, mort. Hop, respawn dans les cages. Voilà, on peut ouais. Cette partie-là, on va bien. Ils vont même pas mettre les ballons dedans. Ah, t'as vu, ils vont nous dégommer, quoi. Watch out, here I come. Allez, bon, encore. Ah, il a enlevé le ballon de la cage. Attends.
comme les kids là. Oh, et plus pour eux. Voilà, donc tu vois, un petit jeu sympa. Et voilà quoi, c'était pour faire découvrir ça. Donc je te laisse pour la dernière partie d'Erasia Gem. Donc en parlant de Gem, vas-y, t'as le droit d'en mettre un. Ou t'es pas obligé, remarque. C'est le meilleur mode ça. Moi je trouve. Le survivant c'est sympa. Mais le Razia là, c'est bien. Hein. C'est bien parce que ton ennemi il a 10 gemmes. Il lance son compte à rebours, toi tu. Et ça lance ton compte à rebours du coup. Du coup c'est vraiment pas mal. C'est un tank rapide. Fun et plein de couleurs quoi. Donc c'est pas mal. Ah, 5 à 2, 5 à 1. Attention à pas me faire buter hein. Disons ils en ont 5 d'un coup. Bye bye.